Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien ce petit lundi complètement nuageux. J'ai eu un rayon de soleil, mais manque de peau, il est déjà parti. J'avais envie, depuis un moment, de vous faire une petite vidéo qui s'appellera, enfin qui s'appelle Tag My Bag. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bien c'est pas compliqué, c'est de l'anglais, ça veut juste dire un tag sur le sac. Et donc en fait, je vais vous montrer, ni plus ni moins, tout ce que j'ai dans mon sac à main. Et honnêtement, je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'en ai. Et donc, je fais comme j'ai d'habitude. Donc c'est mon nouveau sac Desigual, tout choquinou, tout mignon. Je crois que c'est mieux dans le bon sens, voilà. Et le seul truc, c'est qu'il est tout petit et que je l'ai blindé. Mais ça, c'est toujours en fait. Que j'ai un petit sac ou un grand sac, je sais pas du tout, vous les chéris. Mais moi, je les blinde. Je les blinde parce que de toute façon, j'ai besoin de plein de choses. Il faut que j'ai toute ma maison dans mon sac à main. Et encore, j'ai pas beaucoup de choses qui est rentrée en fait quand on regarde. Mais la plupart du temps, quand j'ai un grand sac, à la fin en fait, c'est une enclume le truc. Ouais, on peut même plus le lever. Moi, je sais même pas comment je fais pour me balader avec toute la journée. Le seul truc qui est bien, c'est que si quelqu'un voudrait m'agresser, je lui mets juste un gros coup de sac à main et on n'en parle plus. Voilà. Bon, sur ce, j'arrête de parler et on commence tout de suite cette vidéo. Tag my bag. Plein de bisous et bonne lecture. Donc ça va se passer comme ça, il est sur mes genoux et puis je vais vous montrer un par un tout ce que j'ai dedans, on va tout sortir. Le seul truc qui m'inquiète, c'est comment je vais pouvoir tout ranger parce que moi c'est un bordel organisé, c'est-à-dire qu'en général je le secoue et ça se range tout seul. Donc on va sortir les plus gros. En premier lieu, qu'est-ce que j'ai? Eh ben mon agenda. Je sais pas vous les chéris, mais moi il me faut mon agenda dans mon sac à main. J'avoue, j'ai tout le temps besoin de marquer tout ce que je fais toute la journée. Mes rendez-vous, plus avec mes romans, j'ai intérêt à tout marquer parce que les éditeurs, les auteurs, enfin tout le monde, il faut que je leur consacre un minimum de temps. Là en ce moment c'est le dossier de presse qui tarde à venir, mais ça va arriver très vite et je pourrais commencer les e-pubs pour tout le monde. Donc voilà, mon petit agenda Mr. Wonderful, il est juste trop beau, je l'adore, on se tombe amoureuse. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais il ne me quitte pas. En fait j'en avais acheté un petit qui du coup m'a servi en swap parce que j'arrive pas, c'est celui-là ou rien. En plus il est pratique, c'est un vrai organiseur, je peux tout mettre dedans, c'est vraiment vraiment pratique, la preuve. Bon, sauf que moi j'en mets encore un peu plus. Et le truc que je trouve génial, c'est que je vais vous montrer sur un, voilà, sur là où j'ai pas rempli. C'est chaque jour comme ça, donc j'ai intérêt à écrire en petit, mais tout va bien. Et j'ai des autocollants si jamais je veux m'amuser. Et en plus à la fin, ce qui est génial, c'est que je peux mettre des photos, je peux mettre tout ce que je veux. Là dernièrement, j'ai reçu l'invitation de Dior pour aller chercher mes miniatures de rouge à lèvres, donc je suis trop contente. C'est la petite photo qui allait avec. Et puis en ce moment, j'ai ma chérie qui s'amuse à me faire des photos. Et du coup, voilà, j'ai aussi ces photos dans mon agenda, dans mon sac à main. Voilà, c'est la première chose, c'est la plus importante. De toute façon, c'était la chose dont il fallait que je parle. Absolument, puisque c'est ce qui remplit à la base mon sac à main. Moi, quoi qu'il est toujours aussi lourd, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est tout pour le moment pour l'agenda. J'ai aussi mon téléphone portable, mais vu qu'il me sert à filmer, je vais pas vous le montrer. Et à côté de ça, j'ai plein de produits tout mignons, tout choukinou. Alors celui-là, c'est quoi? C'est une batterie externe. J'en ai besoin pour mon iPhone. Et ni plus ni moins. Donc en fait je la charge, après ça me charge mon iPhone. Et elle est juste magnifique. Mais très lourde hein. Donc en fait je crois que c'est ça qui remplit aussi mon sac à main. Il est déjà un coup plus léger. Et celui-là donc je l'avais commandé sur la mignonnerie. J'en avais pour 30€, mais je vous mettrai tous les liens en dessous, vous inquiétez pas. Si vous voulez les mêmes choses que moi, vous pourrez tout acheter, je vous mettrai tout en dessous. Donc ouais, je l'avais acheté sur la mignonnerie et j'en étais tombée amoureuse littéralement. Je l'ai reçu sous une semaine, donc bon. Quelque part, je me dis que j'ai eu raison de mettre les sous parce que je suis très contente. Elle me sert tous les jours, tout le temps, tout le temps. C'est le soir, je la remplis, le matin, je la vide. Désolée, mais du tout. On accueille en ce moment une petite locatrice toute mignonnette qui, je vais vous la montrer comme ça, elle est trop mignonne. Et en fait, elle est tellement chouquinette, mais tellement petite que j'avais pas vu qu'elle était en dessous de moi. Et voilà, je vous présente Canis. Elle est pas trop mignonnette. Avec Jazz, elle s'entend trop bien. Ouais, je dormais par terre. Et donc voilà, et donc on continue pour ce qu'il y a dans mon sac à main. T'es trop mignonne, ma vie. J'ai ça. C'est quoi? C'est un tsum tsum. C'est pour laver l'écran de mon iPhone. Je m'en sers tout le temps aussi. Et puis, juste parce qu'il est mignon, je l'ai mis dans mon sac. Et puis, il me quitte pas. J'ai pas envie. Je l'aime de trop. Ouais. Je sais. Entre Jazz et Canis, je n'ai pas assez d'amour. Il faut encore que j'ai des peluches dans mon sac à main. En parlant de peluches, j'ai les clés de ma voiture. Bah oui, c'est heureusement que je les ai, hein. Et puis bah, j'ai ma petite peluche qui va avec, histoire que ce soit super facile à récupérer dans mon sac. Mais je suis pas sûre que ça serve à quelque chose, parce qu'en fait il est toujours en dessous de l'agenda. Alors bizarrement, ouais, allez comprendre pourquoi, mes clés de voiture sont toujours en dessous de mon agenda. C'est une catastrophe. Du coup il faut toujours que je m'amuse à fouiller mon sac pour récupérer mes clés. Bon, je vous rassure, j'arrive toujours à les retrouver.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça, c'est un petit porte-monnaie tout choukinou qu'on m'avait offert en swap. Je suis trop contente. Et puis, il va super bien pour la monnaie. C'est un petit renard. Il va avec mon tchoum-tchoum d'ailleurs. Et donc, pareil, je suis contente. Je m'en passe plus. J'adore. Ah, on va passer à ce qui vous intéresse. C'est quoi? C'est ma petite trousse Michael Kors. Ma petite trousse qui me sauve la vie H24. Il y a quoi dedans? Eh ben, j'ai un petit mascara Better Than Sex que j'avais reçu. Donc c'est un waterproof, hein, c'est un mascara Too Faced que j'avais reçu en fait justement dans une glossy box, il me semble. J'ai ma petite poudre. Pardonnez-moi. J'ai ma petite poudre Too Faced. Bah oui, il faut quand même que je fasse mes petites retouches dans la journée, histoire d'avoir une vraie bonne mine. J'ai mes petites pilules Nurofen parce que oui, j'ai des soucis de jeune fille et que bah une fois par mois j'en ai besoin dans mon sac à main. Donc du coup en fait ça quitte pas mon sac, comme ça je suis tranquille. Ma petite pommade pour les crevasses. Ce gel Urgo, il est juste topissime. Il me sauve la vie souvent. Dès que j'ai une crevasse, j'en mets, ça m'arrache le doigt pendant 5 minutes, mais après ça bouge plus. Je peux mettre les mains dans l'eau et plus de problème. Le petit pinceau pour la poudre. Bah oui, il faut aussi, hein. Sinon on fait comment pour mettre la poudre? J'ai un petit. Alors ça c'est Sephora, c'était un petit baume que j'avais eu pour Noël l'an dernier, mais qui ne me quitte pas, qui est trop joli, qui colore les lèvres, qui en fait un baume à lèvres, donc que demander de plus au peuple. Si jamais c'est le Magic Dessert. J'adore. Comment ça fait pour tout tenir? J'ai des, bon je vais pas vous les montrer, mais j'ai des Tampax, il en faut. J'ai un autre rouge à lèvres, celui-là c'est toute ma vie, c'est le Sauce Suzanne, j'avais reçu dans la Birchbox il y a très longtemps, j'adore l'odeur, ça fait genre 6 mois que je l'ai, pareil, je n'arrive pas à le quitter. J'ai des pansements, il en faut. Alors j'ai des... J'ai pour laver les lunettes, sauf que mes lunettes ne sont pas dans mon sac, puisqu'en fait elles devraient être sur mon pif et que j'ai du mal à les mettre, à les comprendre pourquoi. J'ai un rouge à lèvres Dior que je suis carrément dégoûtée parce que je l'ai quasiment terminé, je pourrais plus mettre. C'était le brun passion Dior Addict, mais ouais, je l'ai pas retrouvé. J'ai eu beau fouiller, je ne l'ai pas retrouvé du tout. Mon portefeuille, trop mignon, Roxy. Bon, ça, hein, je vais pas vous en faire l'éloge, j'en ai besoin, c'est mon portefeuille. Ma poudre essence, alors celle-là en fait c'était la poudre de mes rêves, c'était la poudre de noix de coco que j'avais eu cet été justement dans une box. Et celle-là en fait c'est juste pour une retouche bonne mine et bien sûr j'utilise le même pinceau que pour la Too Faced, hein. Je vais pas m'embêter à avoir 10 000 pinceaux dans mon sac à main quand même. Et on continue les amours, qu'est-ce que j'ai encore dans mon sac à main? Mais ce que j'en ai je sais, les clés de ma maison, eh, il les faut quand même, hein. Et avec un super joli petit porte-clés licorne que j'avais eu donc avec le site Mr. Wonderful. Et j'ai ma chérie Sophie qui a le rose. Il est trop beau, j'en étais amoureuse. Je pourrais les mettre sur mes clés de voiture, mais elles sont assez lourdes, donc je les mets à part. Le câble de mon téléphone, ça je pense que tout le monde l'a dans son portefeuille. Ah, mon porte-bonheur. On me l'a offert ce week-end en séance dédicace et ça m'a porté chance. C'est la figurine rebelle. J'adore. Walt Disney, hein, s'il vous plaît. Des mouchoirs. Des mouchoirs. Encore des mouchoirs. Ensuite, on va y arriver, j'en ai des. Après, je m'étonne que mon sac est aussi lourd. Une clé USB avec tous mes bouquins dessus. Un stylo. Avec une couronne. Ne vous inquiétez pas, ça c'est Canis qui s'excite. Un autre rouge à lèvres. Ça, je l'avais reçu dans la box Beautiful. Il est un rose nude trop mignon, trop choukinou. Mais dès qu'on le met sur les lèvres, ça devient rose vif. Je me suis fait avoir une fois au travail. Je l'avais mis pour délirer et en fait, il était trop énorme. Un petit bracelet, oui je sais j'ai plein, j'ai des bracelets, des montres dans mon sac, c'est normal, faut pas se poser de questions. Ça c'était L&L Création qui avait fait ça, trop joli, avec des petites pierres Swarovski, j'adore. Enfin, je viens de casser mon bracelet en direct sur ma vidéo, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je remettrai tout après. Encore un rouge à lèvres, ouais je sais, j'en ai des tonnes. Ça c'est un L'Oréal, un nude aussi. Je sais, mais en fait j'arrive pas à choisir, alors je mets tout dans mon sac et puis je choisis quand je suis sur place. Un joli petit stylo qui me porte chance, les cornes. Ça c'était ma chérie du swap qui l'avait offert aussi, avec toutes les couleurs. Ouais je sais, tout le monde se moque avec mes stylos 4 couleurs, alors j'en ai dans mon sac. Comme ça plus personne pourra continuer à me dire que je reconnais pas des stylos 4 couleurs. Et on finit, vous inquiétez pas, c'est les poches de devant, hein. Après j'ai fini. Une clé USB, parce que là je sais pas ce qu'il y a dessus, il doit y avoir des films. Ah si, non si, je crois savoir, c'est des films. J'avais demandé une... Et j'ai fait un tour de magie, mon bracelet est recyclé. Ouais, je sais, j'ai pris le temps de les ramasser, j'avoue. Ensuite, j'ai quoi? J'ai deux super que j'adore. Alors, c'est des gloss que j'avais acheté aussi avec une de mes chéries sur Mulhouse dans la boutique Kiko Milano. Ils sont juste d'enfer. Je les adore, ils sentent bon, ils sentent bien, ils sont de la belle couleur. Donc, je suis trop contente, je les garde et du coup, je les mets tout le temps. Des papiers, mais ça, vous vous en fichez.
Ah oui, alors ça c'est un produit que j'adore. Il fait blush et gloss. Et en fait il est juste génial. Je l'ai reçu dans une box. Pareil, je crois que c'était la Beautiful Box ou la Glossy Box. Et en fait il est génial. Il a un ton très nude, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Il a un ton très nude. Et puis alors pareil pour les retouches à la journée, moi j'aime bien parce que j'ai besoin de mettre des retouches. Même si je suis bien maquillée et tout, j'ai besoin de mettre des retouches, c'est une habitude. Donc trop contente d'avoir ce joli produit dans mon sac à main. Quand j'avais dit que j'étais tombée amoureuse, hein, c'était plus de l'amour, c'est de la rage. Des chewing-gums. Oui, en faut. Hein. Et mes amours, les Melted. Ça, c'était le Metallic Macaron. J'en suis dingue, je l'adore, je l'aime d'amour. Et le deuxième que j'ai toujours sur moi, c'est le Peony. Parce qu'il est nude, il est bien, il est top. Et comme ils assèchent un peu la peau, et ben, enfin les lèvres, j'en mets, j'attends 2-3 heures. Et puis quand je sens que ça tiraille, vite, gloss qui coule. Et on n'en parle plus. Ah, c'est la fin. Ah bah encore des chewing-gums. Et voilà, je vous ai tout montré de mon sac à main. Ouais, c'est des chewing-gums aussi. Et là d'un coup il est redevenu trop beau, tout chou et tout parce qu'il est plus rempli. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amours. En tout cas je mettrai tous les produits à la fin en fait en dessous pour que vous puissiez les racheter si jamais vous les voulez. Bon, à part les chewing-gums et tout ça, je pense que vous savez trouver les mouchoirs aussi. Et en attendant, eh ben, je vous aime très fort. Je vous prépare une sacrée bonne surprise. Ça va arriver dans pas longtemps. Je sais que j'en parle beaucoup mais c'est parce qu'en fait il y a du Too Faced et que j'attends juste que ça arrive chez moi, tout simplement. Sur ce, je vous aime très fort, je vous dis à très vite et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez aimé cette vidéo ou pas, et ce que, enfin, les thèmes que vous voudriez que j'aborde, les choses que vous voudriez que j'en parle et tout, n'hésitez pas, moi je suis là, je suis ouverte hein, d'esprit et je continuerai à faire des vidéos dans tous les cas sur ce que j'aime. Allez, plein de bisous mes amours et à très vite.